Bonjour Mélie, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de septembre qui, d'après ce que je peux voir, rock'n'roll. Si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel. Sinon, regardez mes titres. J'ai un grand répertoire de vidéos. Puis je trouve ça cool parce que je commence à voir qu'il y a du monde qui ont peur d'aller dedans. Fait que quand vous écoutez la vidéo, c'est là qu'il faut l'entendre. Fait que si ça résonne pas, n'ayez pas peur d'aller voir les vidéos plus anciennes. T'aimes pas comment je parle, t'aimes pas comment je tire, tu comprends pas, tu piges rien. Va sur un autre chakra. Moi, je peux lire matin. Je sais pas combien de temps ça va durer. Donc, on va commencer avec. En septembre, là. C'est pas juste pour Bélier, là. Pour tout le monde. Je sais pas si c'est toi qui s'en vient. Je suis pas la seule qui le dit. Ouais. Merci à toi. What's going on? Ouais. 52-25. Il y en a ça, toi, le petit chiffre miroir. Ouais, t'es mieux d'attendre avant de bouger. Là, j'essaie de garder ça le plus général possible pour des séances privées. C'est dans le descriptif pour me rejoindre. Écoute, entre deux mondes et prendre son temps et prendre un recul et se reposer. Entre deux projets, entre deux personnes, et 52-25. Plus vous allez l'ignorer, plus il va falloir que vous le fassiez. Fait que garde, fais-le donc. Plus tu fais comment, il faudrait vraiment que je me repose, hein, mais j'ai pas le temps. Pire ça va être. Plus longtemps ça va être. Plus t'attends pour embrasser cet état entre deux mondes, plus le fait de le faire va être long. Si tu sais pas quoi faire, prends ton temps. Je sais pas pourquoi. On dirait que le collectif à qui je m'adresse, c'est comme non, non, mais il faut que. Bon, j'avoue que s'il y a un employeur qui est comme non, non, il faut vraiment que tu prennes une décision, OK, là. Mais sinon, écoute, prends ton temps. Prends ton temps parce que c'est dans un état de. C'est rare qu'on prenne les bonnes décisions dans ce temps-là. Je sais que tu le sais. Je le dis pareil. Fait que c'est vraiment de prendre un recul puis de. Puis on dirait que c'est pas la première. Tu sais, l'effet miroir, le 52-25, le s'il y a un miroir, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais en tout cas, prends ton temps. Là, je pense qu'on est dans un repos. Septembre, tu sais, on était quand même l'été. Qu'est-ce qui s'en vient? La roue de fortune. De la chance. Avec expérimenter la vie comme avec qu'est-ce qu'elle nous apporte. Ah, que c'est drôle. C'est comme si de prendre le temps, de prendre le temps de se reculer, de faire comme, OK, c'est vrai. J'ai pas besoin de peser sur le gaz tout de suite. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, si je vais à gauche ou à droite. Le fait de vraiment se poser, j'ai l'impression que si c'est une décision qu'il y a à prendre, je dirais qu'il y a une décision où il y a un chemin à prendre. Mais clairement, là, si c'est entre deux mondes, c'est parce qu'il y a deux mondes. Fait que ce deux mondes-là, on dirait que ça va s'éclaircir. On dirait qu'il n'y aura plus de choix à prendre. On dirait que la vie va s'arranger pour qu'on s'en aille vers le meilleur. Shit, que ça fait. Je sais pas c'est quoi que ça en vient en fucking septembre. Bon, il y en a qui appellent ça l'ascension, là. Il y en a qui appellent ça la deuxième terre. Si on va vraiment dans le wouhou. Puis si on va dans le dramatique, c'est l'apocalypse, puis la troisième guerre mondiale. Regarde. Choisis. Mais c'est comme si d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a de la chance. Le bon timing. Bon temps, bon moment, de la chance qui s'en vient. Fait que c'est comme si ça dit ici de relax. Il n'y a pas, y a pas de feu à éteindre. J'ai pas le feeling qu'il y a un feu à éteindre. Pas ici, en tout cas. Puis je le sais qu'il y a une anxiété de faire. Ben oui, il y en a un. Non. On dirait que pas ici, en tout cas. Fille au fin fond du Québec qui tire aux cartes pour un collectif. Là, on s'entend, là. Mais il y a vraiment comme un. De faire comme, OK, non, il n'y a pas le feu. J'ai pas à prendre une décision tout de suite. Je me sentirais mieux si je prendrais ma décision tout de suite. Mais dans le fond, c'est comme s'il manque des. Soit qu'il manque des éléments à prendre la décision, soit que de prendre la décision là, c'est dans un effet d'effervescence. Ça marchera pas. Ça sera. Sans dire que ça serait pas la bonne décision, c'est que ça serait une décision comme sur le qui-vive, de faire comme, oh non! Puis on dirait que. Qu'est-ce que ça dit ici? C'est de prendre une décision pour vivre et pas pour survivre. Parce qu'on dirait qu'on quitte quand même une. Un état nerveux de survie. À la place de dire comme, ah, ça allait bien, non, mais non. Si la décision est difficile à prendre comme ça, on dirait que c'est parce
soit qu'on veut quitter rapidement quelque chose, ou soit que qu'est-ce qu'on quitte, ça nous a... L'as de bâton. Relax. Relax. À l'envers. J'ai pris des decks, mais pour l'extension, j'ai pris toutes les decks plus halloweenesques, parce qu'il y a une feuille qui est tombée et que Réal l'érable, en arrière, un petit peu de rouge. C'est l'Halloween. C'est septembre. Automne. Fini l'été, là. Là, les... Non. Les bébites, l'humidité, là. Fini. Fini. Toi, l'as de bâton à l'envers, la justice, le 9 de bâton. Littéralement. Relax. Même si tu sais, tu dis, ah, mais je sais pas quoi attache, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Il y a comme un. C'est comme si ici, ça dit, soit que, attends, attends parce que les choses vont aller mieux dans ta faveur. Avec la chance puis le bon timing, c'est comme si d'empresser les choses, il y aurait plus d'obstacles dans la route. Neuf de bâton. C'est pas que c'est la mauvaise décision ou c'est pas que le chemin que tu choisis, c'est le mauvais. C'est que, justice, faut attendre que ce soit plus équilibré. Faut attendre que ce soit plus moins rocheux, moins d'obstacles. Puis à quelque part, l'as de bâton, ça veut tout dire, l'as de bâton à l'envers. Tu sais, s'il était à l'endroit, ça veut dire, oh, tu y vas, tu... Non. Il est là. Le feu est là. Le feu est là. Mais il est à l'envers. Fait que ça dit vraiment, oui, avec le 9 de bâton, ok, tiens ton bout, mais c'est comme s'il y a. Je sais pas si. J'ai pas le feeling. Peut-être c'est ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il parle ou qu'il agisse pour que ça aille plus smooth aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une attente dans le temps. Vraiment une attente de... Pas d'action à prendre tout de suite, tout de suite. La roue de fortune encore, Calis. 5 d'épée. Là, j'essaie de pas garder. J'essaie de pas aller trop dans le sentiment. J'essaie de garder ça général. On va le dire. Mais ici, on a quand même le 2 de coupe et la reine de bâton. 2 de coupe, c'est quand même. Qu'est-ce qu'on amène à la table? Qu'est-ce qui nous rejoint? Puis de la coupe, d'habitude, c'est du sentiment. Mais bon. Roue de fortune, 5 d'épée, 2 de coupe et la reine de bâton. Comme je dis tantôt, c'est pas que c'est pas bon pour vous, c'est que c'est pas le temps. C'est pas le temps, puis il faut vraiment, tu sais, se reposer et vraiment attendre que le nouveau cycle, c'est quand même ça. Ça veut dire qu'il y a un élément qui n'est pas à vous de le contrôler, que vous n'êtes pas la seule personne dans les éléments. Tu sais, il n'y a pas juste vous qui va faire. Enfin, Chris, ça va-tu le dire, tabarnak? Il n'y a pas juste vous qui a une décision à prendre. Puis on dirait que cette attente-là, c'est de faire comme, mais non, mais c'est ça, il attend, il est... est... Puis là, je dis pas que c'est pas la bonne personne. Mais Chris, le 5 d'épée m'énerve. Il y a quelque chose à couper. Fait que je sais pas si c'est cette personne-là que vous attendez peut-être qui est pas la bonne, puis il faut couper, ou c'est les attentes, l'idéalisation de cette personne-là qu'il faut faire comme on est tous humains, là. Parce qu'il faut le dire, la roue de fortune est encore là. Bon, on dirait que ça, c'est par rapport à comment votre attitude à vous. Fait que c'est comme si, il a dit comme moi, mais je ne l'ai pas rencontré pour rien, cette personne-là. Qui? Reine de bâton. Charismatique, ça se peut que ce soit vous aussi. Puis ça, avec le 2 de coupe, ça se peut de faire comme, OK, non, mais c'est parce que je sais qu'est-ce que je veux maintenant. Mais dans le repos et la tête qui se calme, là, on va savoir quoi couper. Sinon, c'est comme si... Oui, mais c'est pas arrivé pour rien dans ma vie, je veux agir. Agis pas. Relax. Relax, parce que c'est comme si maintenant que je sais qu'est-ce que je veux, peut-être qu'avant, en étant bélier, de faire vite puis d'y penser après, non, non, on pourrait te switcher, peut-être de faire comme, OK, non, je vais prendre mon temps, je vais respirer, puis je vais agir quand ça va être le bon moment. Qu'est-ce que ça me dit ici que c'est pas le bon moment d'agir? C'est le temps de se reposer puis de faire comme, OK, c'est le fun, oui, j'ai rencontré quelqu'un, ou sinon, puis là, je dis pas que si vous avez trouvé un emploi puis qu'il faut postuler, on postule pas. Non. Mais c'est de postuler, mais c'est de pas se fermer à d'autres emplois. On dirait que ça dit ici de pas se fermer à cette personne-là, ou à cet emploi-là, ou à cette situation-là. D'attendre.
C'est comme si vous avez attendu après ça, whatever the fuck, c'est quoi le ça, pendant longtemps. Puis que là, le ça, on dirait soit qu'il se rapproche, soit qu'il est plus clair. Mais on dirait que le tirage dit, attends, tu sais pas tout, et où peut-être qu'il y a quelque chose de mieux que le ça qui s'en vient, puis c'est juste qu'en ce moment, tu le vois pas. Tu le vois pas parce que tu te concentres juste sur le ça. Ça a-tu du sens? Ouais, je sais, je me pose des fois des questions. Ouh! Oh! La papesse, bouge pas. Ne bouge pas. Puis là, quand je dis ça, posture sur les postes. La papesse, là, elle pose les bonnes questions au bon moment. Elle parle pas pour rien. Elle s'impose pas. Elle fait vraiment son... Elle suit son intuition et comme... Pff, ta minute. Il y a quelque chose que je sais pas. Il y a des informations qui manquent. Admettons là, que c'est postulé sur un poste. Puis que ça a l'air parfait, mais que le salaire est pas indiqué. Tu sais, genre, il demande une maîtrise, là. Mais le salaire est pas indiqué, puis finalement, tu te rends compte que c'est 26 000 par année. Genre, il manque une information. Il y a une information qu'on n'a pas. Chevalier de bâton, relaxe-toi. Tu sais que j'aime le tarot. Chevalier de bâton est tombé dans la même à côté. Fait que là, on va les garder ensemble. Attends. Attends avant de sauter aux conclusions. Attends avant de sauter vite. Attends avant de développer des sentiments ou d'échanger des fluides, peut-être. C'est peut-être... Chevalier de bâton, c'est le fuckboy du tarot. Puis c'est vraiment de... Avec le 4 de pentacle. Va regarder c'est quoi tes balises. Garde tes balises. Dis-toi, ah non, c'est vrai. Je m'étais dit pendant que j'attendais que la bonne situation... Ah, oh, enfin, je l'ai eu. Oh, je m'étais dit pendant que j'attendais la bonne situation, la bonne job, la bonne personne, que j'allais pas refaire ça. Puis là, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous, puis vous, peut-être que vous retombez dans vos patterns, puis vous faites comme, oh, wow. Non, non. Rest, renew. On se repose, et on se remémore, on se... Roi de coupe. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Puis là, si on parle de job, on essaie quand même d'avoir... J'ai comme le feeling que... L'information qui manque, c'est une information cruciale. Que ce soit une personne, une situation, une job. C'est-tu que j'ai hâte de faire l'extension? L'extension, on va faire situation et sentimentale. Mais il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, ça c'est clair. Puis il faut garder son bout. Ouh! Septembre, là! Ça va être intense. Je vous souhaite bonne chance. Si on ne se voit pas dans l'extension, je vous souhaite bonne chance. Parce que ça va être... Mais, on s'en va vers du meilleur. Je sais pas c'est quand le meilleur, mais on s'en va vers du meilleur. Mais c'est vraiment... Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient vers vous. Roi de coupe. Que ce soit job, amour, whatever the fuck, là. Il y a quelque chose de vraiment plus... De moins éphémère qui s'en vient. C'est comme d'attendre. D'attendre que la vie fait comme, ah ouais, t'as attendu, t'as travaillé sur toi, t'es fait tes balises, wouch! Ouais. En tout cas, hey, je vous souhaite un bon mois de septembre, courage tout le monde, bye!